est constitué à partir de différentes unités et formations de la garnison d'Orléans. Le président du gouvernement provisoire de la République cite à l'ordre de la nation M. Jean Zay, ancien ministre, pour les motifs suivants. Pour avoir été un grand serviteur du pays, dont la foi dans les destinées de la France n'a jamais été entamée. Dès la déclaration de guerre, il se démit de ses fonctions de ministre pour partager le sort des défenseurs de la patrie. Condamné à la déportation peu de temps après l'armistice, après une parodie de justice, il fut livré à la milice et disparut dans des conditions restées mystérieuses. Fait à Paris le 11 avril 1946, Félix se joint. «